Good morgen, allez, Yidan les sur aujourd'hui, le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal et Olga Bat Solvanish. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Ta'anit Perek Gimel Mishnah Dalet. Vechen Ir Sheyesh Bat Dever, O Mapolet. Ota Ir Mit Ana Umatraat, Vechol Sevivotea Mit Anot Velo Matriot, Rabbi Akiva Omer Matriot Velo Mit Anot. Eize Hu Dever Ir Amotsia Chamesh Meot Ragli. ויצאו ממנה שלושה מתים משלושה ימים. זה אחר זה, הרי זה דבר. פחות מכאן, עד זה דבר. Pour rappel d'abord, on s'intéresse maintenant, on va élargir un petit peu l'éventail sur les différentes misères, catastrophes qui peuvent frapper une ville ou un pays. Et selon le cas, quand tirer l'alarme, qu'il faut réunir tout le monde, jeûner et prier avec tout le rituel des tfilotes qu'on avait vu. D'accord? C'est le sujet général. Jusqu'à maintenant, on s'intéressait à la pluie. De manière générale, il y avait la pluie qui traînait, qui tardait à venir. Depuis les Mishnayot maintenant précédentes, on commence à parler de pluie particulière qui tombe mal, qui tombe sur certaines villes et pas d'autres villes, c'était la Mishnayot précédente. Que dans ce cas-là, c'est signe que tout de suite, il y a un vrai problème sur la ville. Il ne faut pas attendre. Il faut tout de suite prier, tirer toutes les alarmes, et prier du fond du cœur, et réveiller tout le monde. Maintenant, on va quitter le sujet des pluies, pour s'intéresser aux différentes catastrophes qui peuvent aussi frapper. On va en découvrir plusieurs dans la prochaine Mishnayot, et à chaque fois, préciser, est-ce qu'il n'y a que cette ville, la ville concernée proprement dit, qui doit jeûner et faire les tulotes, ou est-ce que les villes des alentours. Et maintenant, on a deux cas dans notre Mishnah, de même une ville qui a une épidémie, une maladie. Entre parenthèses, c'est un sujet qui a été évoqué à l'époque où ça a commencé la corona, Yahasra, ça fait déjà plus de 2 ans, 6 soirs, eh bien, il a fallu maintenant, alachiquement, est-ce qu'il fallait fermer les écoles, les Heiderim, les Talmud des Torah, ou est-ce qu'il fallait laisser les enfants continuer de vivre, ça touche concrètement, ça touche à cette sugya-là de définir, est-ce qu'il y a une réelle épidémie, ou bien non, il y a juste une maladie pas vraiment agréable, qui peut faire des dégâts pour les personnes âgées, mais finalement, pour le commun du peuple, c'est pas si terrible que ça, est-ce que c'est une raison que tout le monde va rester à la maison, confinement, et, d'accord, tout ce qu'on avait, tout le sujet, il y avait tout l'aspect halakhik, entre parenthèses, il y en a qui continuent à partir dans les yeshivot, personnellement nos enfants ont continué à partir étudier en clandestin, on devait se cacher comme à l'époque des Grecs pour partir étudier dans les caves, par rapport à d'autres qui ont préféré fermer les Talmud de Torah, entre parenthèses, les enfants se sont mis à promener dans la rue et à se dévergonder, il y a eu des cas très graves, là n'est pas notre sujet, on revient sur notre Mishnah, mais donc on parle maintenant d'une ville qui a une épidémie, il va falloir définir ce qu'est une épidémie, mais pour le moment, supposons qu'il y a une vraie épidémie, ou encore une mapolette. Mapolette, c'est littéralement c'est une avalanche. Mais en fait, on ne parle pas d'avalanche, on parle que les murs tombent. Les murs tombent parce qu'il n'y a pas de problème de qualité de pierre. Et tout est en bonne santé. Les murailles s'effondrent parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. En réalité, peut-être qu'il y a des problèmes sismiques. Il y a peut-être des petits tremblements de terre par-ci par-là qui fait que ça tombe. On ne sait pas. Concrètement, ça tombe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prie Hachem. Alors, Otahir mit Anao Matraat, cette propre ville-là où ça se passe, il doit faire tout de suite tout le rituel. On tire toutes les alarmes, on convoque tout le monde, on jeûne, on instaure les jeûnes. Lundi, jeudi, que 3, pas 7, je me suis trompé quand j'ai dit le prochain Mishnah. Là, directement, on fait les 3 jeûnes. On fait 3 jeûnes. 3 jeûnes, mais avec toute la rigueur, et avec les tfilotes particulières, en disant Anenu, tout ce qu'on a pris en fait en gros, d'accord, dans les prakim précédents. Les Chols Vivotea et tous les alentours, alors eux aussi doivent participer. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement? Eh bien, ils doivent faire Mit Anot Velo Matriot. Ils devront jeûner, mais ils n'auront pas besoin de faire tout le rituel des tulas. C'est-à-dire, ils doivent participer avec leurs voisins qui ont des misères. Ils doivent prendre part avec eux aux misères aussi, participer avec eux. Mais ce n'est pas la peine de faire tout ce qu'ils font. D'accord? Quand ça leur concernera concrètement. Directement, alors ils mettront tout le paquet pour faire toutes les choses. Pour le moment, ils doivent aussi participer avec eux, aussi faire tchouva pour leurs frères qui sont à côté d'eux et qui souffrent. Là, pour le moment, c'est encore simplement explicable, parce que l'épidémie, elle peut se propager sur la ville précédente. Donc aussi, on a peut-être... il faudrait commencer à se prendre au sérieux, quoi. Et entre parenthèses, il y a même écrit dans la Gemara, imaginez, prenez quelqu'un de très nationaliste et qu'on va lui apprendre que chez les confrères palestiniens, ça se passe, il y a des épidémies. Ouais. J'imagine qu'il va avoir un petit sourire de côté qui va dire, oh, tant mieux. Ouais. Bah, concrètement, il faut savoir, dans la Gemara, c'est marqué ici, de nouveau,
que non, pas du tout, ça va pas. S'il y a une épidémie à côté de toi, ça risque de se propager chez toi. Tu dois concrètement prier Hachem du fond du cœur que l'épidémie s'arrête, même si c'est chez tes pires ennemis que tu veux. D'accord? Eh ben non, si jamais là-bas il y a une épidémie, ça risque de se propager. Et réellement, on a bien vu comment ça s'est passé, la propagation de toute la corona ces 2 dernières années, quoi. Donc il vaut mieux que ça s'arrête tout de suite. Donc, pour le moment, je reviens sur la Mishnah. Donc, la même ville, elle devra donc jeûner et prier. Et les alentours, ils devront jeûner sans prier. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Tandis que Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, Matriot velo mit anot. Ils devront faire les tfilotes, le rituel des tfilotes avec les tfilotes particulières, mais par contre, en disant Anenu aussi, Anenu, Avinu, Anenu, Anenu, Bovrenu, avec toutes les tfilotes, mais ils n'ont pas besoin de jeûner. Et Zehu Dever, qu'est-ce qu'on qualifie de Dever? Ah, alors une petite précision aussi. C'est sur ça spécialement que je vous avais dit depuis l'émission précédente. Bon. Pour le moment, on a parlé surtout de différentes catastrophes qui peuvent se propager aux alentours. C'est pour ça que les alentours, ils sont concernés. Cela dit, le cas de Mapolette, des avalanches des murs qui tombent, on ne parle pas forcément de. C'est pas dit qu'on parle de tremblement de terre. On ne sait pas pourquoi les murs s'effondrent. Selon ce principe, je ne sais pas exactement quel type de catastrophe naturelle ça doit être. Peut-être des petites secousses sismiques, mais qui sont très. Je sais pas. Concrètement, il y a maintenant. On soulève la question sur ça, que les habitants des alentours, en quoi ça les concerne? Pourquoi est-ce qu'ils doivent jeûner? De là, le RAN. Il déduit. Le RAN, ouais, il déduit de là, hein, que il faut tout simplement jeûner aux alentours, parce qu'il faut, no se be'olim chavero, il faut être concerné par les misères de ceux qui nous entourent et porter le joug avec eux, littéralement. Si eux, ils souffrent, il faut qu'on prie avec eux. Si on est encore à proximité d'eux, on a aussi une part, ça nous concerne. D'accord? Tout simplement, même si ça risque pas de se propager chez nous. On aurait pu croire que la Mishnah va s'expliquer, selon le Barthénois, j'en avais vu dans la Mishnah précédente. Réellement, peut-être ça va se propager, peut-être qu'on va vérifier si c'est des secousses sismiques. Il va y avoir un moment où il va y avoir un tremblement de terre là-bas, et puis nous aussi on va le ressentir, et chez nous aussi il va y avoir des problèmes. Comme ça, en tout cas, le Haran, il préfère expliquer qu'on parle que c'est pas quelque chose qui va forcément se propager, mais si ça concerne tes proches, voisins, tu dois toi aussi partager avec eux leur misère et prier avec eux, ou bien jeûner avec eux. Chacun son point de vue. Maintenant, Michel s'intéresse. Ezo Dever, qu'est-ce qu'on considère comme une épidémie? Là, c'est ce que je vous avais parlé au début du cours, en vous disant que, faut définir, c'est quoi une épidémie? C'est quoi? Un qui meurt toutes les X temps, des personnes âgées qui ne tiennent pas le coup devant une certaine maladie, aussi triste que ça peut être, ça ne va pas forcément imposer de tout arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on appelle comme une épidémie? Alors, la Mishnah nous donne une limite bien claire. Iramotsi Achamesh Notrengli, une ville qui, littéralement, qui fait sortir 500 piétons. En réalité, on parle, c'est une manière de dire qu'il y a 500 hommes, 500 foyers, 500 hommes actifs. Dans la mesure où les femmes ne travaillaient pas à l'époque, tout ça. 500 hommes actifs. Alors, parmi ces 500, si jamais, Veyatsu Mimena Shlosha Metim, il y a eu 3 morts. Bishlosha Yamim, en 3 jours, c'est-à-dire un mort, un mort, un mort en 3 jours. Dans Zéacharzé, qu'ils aient été consécutifs, un après l'autre, d'accord? Eh bien, Arizé des vers là, c'est qu'il y a une réelle épidémie. Sinon, Pachout Mikan, si c'est moins que ça, il manque un des paramètres. Par exemple, il y a eu 3 morts en 4 jours, mais même pire, il y a eu 3 morts en 1 jour. Même ça. Où il y a eu, eh bien quoi? Il y a eu 2 morts, et puis après, on a eu une pause de truc, et après, il y a eu 2 morts. Mais ça n'a pas été 3 morts en 3 jours. Il n'y a pas eu la fréquence suffisante pour dire qu'en ce moment, on est dans la ville, en matzav, en différentes situations difficiles, qu'il faut tirer toutes les alarmes. Non. C'est accidentel. Pour le moment, peut-être qu'il faut faire tchouva, chacun à titre personnel, sûrement, ça fait toujours du bien de faire tchouva, de toute façon. Mais en tout cas, concrètement, ce n'est pas encore défini qu'il y a une épidémie. Et dans ce cas-là, on ne va pas encore se mettre à jeûner. NZDVR, ce n'est pas encore une épidémie. Dans ce cas-là, ce n'est pas une maca. Ce n'est pas une Makat Medina, ce n'est pas une catastrophe qui frappe tout le pays. Pour le moment, il y a eu ponctuellement un problème ici, un problème là, un problème là. Il va falloir que tu vois. Mais ça ne nous impose pas pour le moment de tout nous réunir et tirer les alarmes en sonnant du chauffard et en faisant toutes les filottes particulières avec tous les jeunes. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Vous salam.